Oui, bon, bonjour, t'es chez toi là? Oui, assieds-toi. Oui, assieds-toi. Tiens-toi là sur le rebord, je vais t'expliquer une petite histoire, c'est très drôle. T'es assis là? Ok. Ça se passe à Lyon. C'est un monsieur qui s'appelle Fabien Bagnon, qui est élu de la mairie de Lyon, qui s'occupe du service voirie, pour circuler, tout ça. Bon, il a en projet des pistes cyclables, ce qui est une bonne chose, on pourra se balader un peu plus dans Lyon en vélo sans se faire écraser par des bagnoles ou des camions. Bon, il explique son projet, et là, t'as un mouvement de femmes qui s'appelle Femmes en Mouvement d'ailleurs, qui dit, oui, mais bon, il y en a que pour les cyclistes, nous, on est les femmes. Tout. Ben oui, mais vous voulez qu'on vous appelle comment, madame? Les cyclistesses ou les cyclistines? Les cyclistes. Un cycliste, c'est gros, petit, grand, mâle, femelle, homosexuel, blond, avec des grandes oreilles. Enfin, c'est tout le monde, les cyclistes, c'est ceux qui sont sur un vélo, hein, calmez-vous. Du coup, le maire s'est empressé de se justifier, de dire, oui, mais rassurez-vous, mesdames, les pistes cyclables seront, écoutez bien, non genrées, et inclusive, des pistes cyclables non genrées. Putain, c'est quoi une piste cyclable non genrée? J'étais pas au courant, moi. C'est une piste cyclable qui a pas été recouverte d'une peau de couille. J'ai cherché, je trouve pas mon cerveau, là il bug depuis tout à l'heure, il est en train de me dire « Eric, qu'est-ce que je fais? J'explose ou je m'arrête à un moment, je suis en manque d'oxygène ?» Du coup, je sais pas, l'information est bloquée, là. Une piste cyclable non genré. Oh putain, le monde va trop vite, les mecs. Moi, je suis plus. Attendez-moi quand même. Ils partent sans moi, les... Ah, excusez-moi. Oui, d'accord, ok. Non, c'est mon cerveau qui est en train de me dire, Eric, on va tomber dans les pommes, ça ira plus vite. Ouais, ok, vas-y.